Bonjour à vous tous et bienvenue sur le site Lolavie. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de ce stylo test TDS donc qui sert à contrôler les performances de la membrane de votre système d'osmose inverse. Normalement, tous ceux qui ont déjà chez eux un appareil d'osmose inverse, votre installateur ou distributeur a dû vous proposer ou vous laisser cet appareil. Au cas où, vous pouvez donc le trouver sur le site Lolavie et je vais vous expliquer donc comment prendre la mesure et donc de faire ce contrôle. Votre appareil est installé, vous allez prendre la première mesure. Vous allez d'abord laisser couler 2 litres d'eau via votre osmoseur, donc pour faire un premier nettoyage. Vous allez laisser un quart d'heure, puis vous allez remplir donc ce verre d'eau osmosée. Vous allez mettre le stylo test dedans et vous allez prendre, vous allez avoir un chiffre qui est indiqué donc en haut, admettons qu'il est de 40. On note 40, on vide. Puis, on va remplir à nouveau, mais avec de l'eau du robinet, donc non osmosée. On met le stylo test dedans et en haut, on a à nouveau un chiffre qui va être de 300. Ça peut être plus ou ça peut être moins, c'est juste pour l'exemple, 40 et 300. Vous allez faire donc ce calcul qui se trouve au niveau de l'écran et vous allez avoir donc ce chiffre de 86-87%. Votre appareil d'osmose inverse fonctionne très bien. Il peut être même au-delà, 90-94, il fonctionne très bien. Si par contre vous êtes en dessous de 75%, vous devez soit changer la membrane de votre système d'osmose inverse, étant donné que la membrane est la clé de la filtration, ou alors vous avez un problème de température, c'est-à-dire que l'eau est chaude, plus de 30 degrés, et c'est pour ça que le taux de filtration chute, ou alors vous avez un problème de pression. Et ça, vous pouvez le voir avec ce qu'on appelle un manomètre. Si le problème de pression, ce n'est pas un problème de pression, ni un problème de température, c'est la membrane qu'il faut changer, donc appelez votre installateur pour qu'il puisse faire cet échange. Donc voilà à quoi sert ce stylo test TDS. Si vous avez des personnes que vous connaissez qui ont l'appareil chez eux, n'hésitez pas à leur transmettre la vidéo donc pour qu'ils soient aussi au courant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez sur le site Lolavie l'onglet contact. Envoyez-moi donc un email et je vous répondrai au plus vite. Voilà. Merci de votre attention et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.